Donc, bonjour à tous depuis la Corse. Tout d'abord, merci pour l'organisation de ces rencontres, puisque dans le contexte actuel, comme disait tout à l'heure François, nous pourrons quand même bien moins convivial. Voilà, fait comme ça. Alors, notre présentation aujourd'hui traite d'une étude bibliographique sur l'état des connaissances sur les petits mammifères dans la Corse, présentée donc par Christophe Panayotti de l'Office de l'environnement de la Corse. Il y a également René Pietri qui est également à l'origine de cette étude de l'Office de l'environnement de la Corse aussi, que j'ai vu présente ici et j'en remercie. Alors, pour vous présenter un petit peu le contexte, en fait, de mon cursus et expérience professionnelle, j'ai eu la chance de participer à des études plus ou moins heureuses sur les mammifères. Alors, je dis plus ou moins heureuses parce que ma première expérience portait sur la lutte intégrée du campagnol terrestre forme puceuse dans le Doubs comme alternative à la lutte chimique, qui se concrétisait tout simplement par du piégeage. Puis plus heureuse puisque j'ai eu la chance d'étudier le campagnol amphibie aux côtés de Pierre Rigaud, au groupe Mammalogique d'Auvergne à l'époque. Puis le muscardin, tout en haut du stéril, à la coordination mammalogique du nord de la France, aux côtés de Simon et Vincent. Bref, je ne vais pas vous faire une présentation personnelle, mais tout ça pour vous dire qu'une fois le pied dedans, j'étais mordue de ces petites bêtes qui sont très souvent oubliées jusqu'à très récemment. Et puis c'était également pour me présenter, puisque je n'ai aucune structure en Corse, mais voilà. Donc une fois arrivée en Corse, justement, il y a maintenant 10 ans, je me suis toujours demandé ce qu'il en était des mammifères insulaires. J'entendais ça et là dire que les micromammes insulaires présentaient des caractéristiques spécifiques avec reproduction décalée, gigantisme phénotype particulier. Mais qu'en était-il réellement d'après les études qui ont été menées et d'ailleurs, quelles études? Alors du coup, je suis allée à la pêche aux infos en contactant dans un premier temps Françoise Poitvin que j'ai rencontrée à Montpellier en 2019, un peu avant les premières rencontres de Bourges. Notamment pour discuter de la bibliographie existante et des études menées. Je la remercie d'ailleurs de m'avoir consacré un peu de temps. Dans un deuxième temps, plus localement, j'ai rencontré Madame Salotti, donc Michèle Salotti, qui a pendant plusieurs années œuvré pour la connaissance des mammifères en Corse. Elle m'a transmis pas mal d'infos et bibliographies locales et je la remercie. En parallèle, je savais que l'Office de l'environnement de la Corse, de leur côté, était dans l'idée de développer des études sur les mammifères. Mais du coup, après avoir fait ces démarches et reboosté par l'émulation des rencontres Petit Mam de 2019, un projet s'est initié. Donc justement, je laisse la parole à Christophe Panayotis, puisque c'est lui qui est à l'origine de cette étude, avec Corinne Pietri. Et je les remercie vivement tous les deux encore pour leur confiance et pour leur implication également. Voilà. Donc si tu veux dire un petit mot pour présenter ta collaboration, Christophe, je ne sais pas. Bonjour à tous. Et merci pour ce webinaire. Donc moi, je fais partie juste d'une petite présentation de l'Office de l'environnement de la Corse, puisque c'est un organisme qui est spécifique à notre région. Il n'y a pas d'équivalent sur le continent. Donc nous avons compétence, bien sûr, sur l'environnement, au sens général, et sur tout le territoire de l'île. Notre service s'occupe plus spécifiquement de la faune sauvage et de ses habitats. Et puis, nous avons compétence sur les comités de gestion, contrôle de gestion des réserves naturelles. On a un regard sur la politique forestière des forêts territoriales, notamment. Et puis, mes collègues travaillent sur les mares temporaires, les lagunes. Nous avons au sein de notre service l'Observatoire des insectes. Et au sein de l'Office de l'environnement, il y a aussi le Conservatoire botanique national de Corse. Donc, cet organisme inclut un grand nombre de naturalistes, de spécialistes. Et c'est pour ça que donc, ma collègue Corinne a rédigé l'orientation régionale de faune sauvage et de ses habitats et a montré qu'il y avait une vraie lacune des connaissances sur les petits mammifères. Donc d'où cet intérêt de remettre à jour un peu les connaissances, parce qu'il y a eu des scientifiques qui ont travaillé il y a quelques décennies sur les petits mammifères. Et ça nous semble très important de développer une vraie politique de connaissance et notamment d'inventaire pour assurer la gestion, notamment puisqu'on influence sur la gestion de pas mal de sites, sur cette connaissance des petits mammifères.
Voilà, je veux remercier Marion qui a fait un travail de synthèse d'une très grande qualité qu'on pourra mettre à disposition de ceux qui veulent. C'est le genre de travaux, quand on est chercheur, qui est très intéressant puisqu'il y a énormément de biblios, hein, c'est le but, avec des réflexions en plus qu'elle va vous présenter maintenant. Je vous remercie. Et du coup, on a mis en place cette collaboration avec l'Office de l'environnement de la Corse, qui est une institution régionale, voilà, qui a pour mission justement de valoriser et mettre en, enfin voilà, animer un petit peu le volet patrimoine naturel insulaire. Donc après, dans le cadre d'ORGFH, il avait été mis en évidence finalement qu'il y avait quand même une grosse méconnaissance sur le peuplement, justement peu de connaissances sur ce peuplement de petits mammifères en Corse, d'où voilà, cette synthèse bibliographique. Donc pour réaliser cette synthèse justement, on a d'abord établi ensemble la liste des espèces que nous avions intégrées dans cette étude. Donc, sur les 18 espèces de mammifères en Corse, mais pas de petits mammifères, on va le voir. Donc, cette décision, justement, a été prise d'un commun accord en fonction des différentes définitions de petits mammifères qu'il existe, et par rapport à nos attentes vis-à-vis de certaines espèces, donc notamment le Loir, qui est inscrit aux ORGFH, comme je vous disais tout à l'heure. Alors, c'est Orientation régionale Corse de gestion et conservation de la faune sauvage et de ses habitats. Et dans l'hérisson et la belette qui nous intéressaient également. Donc finalement, on a décidé de se concentrer sur 10 espèces, 3 espèces représentant l'ordre des olipotifles, alors avec une petite faute, la pachuire étrusque, donc, voilà, la misarène des jardins, le hérisson, 6 espèces de rongeurs, donc souris, mulot, les deux viridés, loir et l'hérault, les deux rats noirs et surmulot, et une espèce de carnivore, donc la belette, le seul représentant des mustélidés en Corse. Voilà, donc une fois cette liste ciblée, il m'a fallu chercher et rassembler la bibliographie concernant ces 10 espèces de petits mammifères. Mais pour pouvoir prétendre à faire des comparaisons avec le continent, notamment en France, Italie ou autre, ou d'autres îles, donc Sardaigne, les Baléares, j'ai élargi au bassin méditerranéen. Au moins, ce qui implique des références internationales, nationales et régionales. Et cet aspect-là qui paraît logique n'a pas été si aisé. Je fais une petite aparté parce que j'ai aucun statut en fait étudiant ni scientifique. Et du coup, l'accès aux revues m'était assez limité. J'ai d'abord dû établir une liste des références qui m'intéressaient, mais auxquelles je n'avais pas accès. Et j'ai fait appel à mes longs bras, vous les voyez là, pour contacter en demandant en fait à des personnes référentes qui pourraient y avoir accès. Et pour ne pas les citer, j'en profite pour les remercier chaleureusement et vivement. Alors, Stéphane Lanier, bien sûr, Patrick Hafner, que j'ai vu présent, Dominique Pain, bien évidemment, François Le Boulanger, François Moutou, Hélène Dupuis, Manuel Urédi, enfin voilà, plein d'autres personnes. La liste n'est pas exhaustive, mais voilà, ils ont pris de leur temps pour me transmettre la montagne de documents que je leur demandais et je les remercie. Voilà, bon, enfin, toute cette première partie m'a demandé pas mal de temps, sans compter la lecture et la rédaction, notamment des fiches espèces qui sont en annexe, et qui sont assez conséquentes. Bon, ça donne un petit pavé qu'on voit là en aperçu, histoire de mettre une petite photo. Alors, avec 89 pages, 157, avec 246 pages pardon, au total, dont 157 d'annexes, vu qu'il y a des fiches espèces, donc beaucoup, beaucoup. Au niveau du contenu, pour vous donner un aperçu de l'organisation du document et peut-être vous donner envie de le lire, voilà, je vais faire rapide. Il y a une première partie présentant rapidement les caractéristiques de la Corse, le syndrome d'insularité et les espèces de petits mammifères fossiles dans le bassin méditerranéen. Une deuxième partie présentant la notion d'espèce et sous-espèce, les études réalisées sur les petits mammifères de Corse et l'adaptation à l'insularité en Corse chez nos espèces actuelles. Et bien sûr, des perspectives d'études
Voilà. Donc aujourd'hui, pour éviter que vous replongeassiez dans un sommeil profond, je me suis concentrée sur les deux derniers points de la deuxième partie, donc les études réalisées en Corse et les caractéristiques des espèces actuelles, qui, soit dit en passant, sont toutes des espèces introduites volontairement ou involontairement par l'homme. Et je vous ferai également part des perspectives d'études si je le temps. Voilà, donc en ce qui concerne les études réalisées en Corse, si on reprend chronologiquement, on a l'équipe de l'Université de Munich qui effectuait des séjours réguliers sur l'île à la fin des années 50, qui l'on doit les premières recherches sur les petits mammifères de Corse, donc Kaman, Apner, Frisch, Edrich et Brotzler, avec mon super accent allemand. Ensuite, à partir des années 70, les premiers travaux sur la faune des petits mammifères de Corse ont réellement émergé avec les équipes du laboratoire Arago de Bagnols-sur-Mer, le projet FONCE. Je ne l'apprendrai pas à la plupart d'entre vous, mais Roger FONCE a régulièrement mené des études de terrain en Corse, notamment pour ses recherches, dont le thème central concernait les processus évolutifs liés à l'insularité, avec une partie sur la recolonisation post-incendie, mais aussi l'écologie parasitaire, auquel il apportait pas mal d'importance, justement. Cet aspect-là. Il y avait l'Université de Montpellier de la région PACA avec Gilles Chélan, Françoise Poitvin, Laurent Grandjean. Voilà. Ensuite, un que je n'ai pas cité ici, mais qui a mené sa thèse sur le régime alimentaire de la chouette effraie en Corse, c'est en 82, c'est Roland Libois. Voilà. Donc, plus localement, l'Université de Corse, par les personnes référentes, donc Michel Salouti, Elisabeth Pereira et d'autres. Qui ont largement contribué aux connaissances acquises. Donc en 84, rapidement, Michel Salouti réalise le premier atlas des mammifères de Corse, avec la SFPM, bien sûr, hein, et publie dans le bulletin de la Société des sciences historiques et naturelles de la Corse les résultats de ses travaux sur le Loir, l'Hérault, Ranoir et sur Mulot, via des fiches espèces. En 87, le Parc naturel régional de la Corse édite un ouvrage, donc les mammifères en Corse, espèces éteintes actuelles, avec notamment Jean-François Nouvelet. J'ai vu de loin. Ensuite, entre 80 et 1000, on va dire, on trouve quelques travaux réalisés dans la réserve naturelle de Spandola et dans le désert de la Grillette, en lien avec la recolonisation post-incendie, donc l'équipe de Roger Prodon et FONCE. Il y a également eu de nombreux travaux sur les rats noirs, enfin le rat noir, mais surtout sur les îles et îlots satellites de la Corse, donc les lavettes, les îles cervicales. Voilà, ça c'est toute l'équipe de Chélan et Grandjean. Mais à partir des années 2000, les travaux scientifiques deviennent plus rares. Il y a quelques missions de terrain qui sont référencées, mais qui restent anecdotiques. Et on trouve quelques études ponctuelles d'inventaire partiel, comme par exemple sur les petits îles de la Méditerranée, mais pas d'études dédiées spécifiquement aux petits mammifères. Donc en ce qui concerne maintenant les petits mammifères de Corse. Voici les informations générales que j'ai pu faire ressortir en m'appuyant sur les différents paramètres du syndrome d'insularité. Alors à ce sujet, il y a plusieurs théories sur la différenciation insulaire et le syndrome insulaire, mais certains auteurs suggèrent que la colonisation par un faible nombre d'immigrants pourrait jouer un rôle important dans la différenciation, notamment par la diminution du flux génétique, donc le degré d'isolement et entre parenthèses aussi la superficie de l'île. Alors, sous cette hypothèse, Grandjean et Chélan présentaient le mulot comme le meilleur candidat à une différenciation insulaire, puisque sa répartition très étendue mais fractionnée dans l'île, selon eux, entraînerait une réduction des flux de gènes. Alors que rats noirs et souris, qui sont davantage présents à la ceinture, la ceinture d'habitat qui borde les montagnes de l'île, on va dire, sont soumis à des échanges un peu plus intenses. Selon ces critères, on rajoute le Loir et le Lérault, qui sont connus pour être cantonnés à des habitats d'aptitude en Corse comparativement au continent, et qui pourraient également être du coup des prétendants à une éventuelle différenciation insulaire. En ce qui concerne l'élargissement de la niche écologique, en Corse, Libois, par son étude, confirme cet élargissement, notamment au niveau de l'amplitude d'habitat, pour tous les petits mammifères de Corse étudiés là, pour toutes les espèces, sauf, c'est vrai que dans son étude, il n'est pas pris en compte le rat sur mulot. Je le précise. Donc voilà, après c'est avec différents degrés. Hein. Le rat noir, par exemple, il double pratiquement son amplitude d'habitat, alors que celle de la musaraigne des jardins ou du sylvestre se modifie à peine. Mais tout ça en comparaison avec les petits mammifères des Pyrénées orientales, pour rappel.
Voilà, pour confirmer, enfin, pour confirmer ou appuyer ces observations, d'une manière générale, on sait que la souris domestique et le rat noir sont semi-commensaux sur le continent et présentent des populations sauvages en Corse, dans le sud de la France aussi, mais voilà, enfin, ce qui traduit bien les différences dans la sélection d'habitat. En termes de modification phénotypique, il y a plusieurs niveaux. On a la taille générale, donc plus importante pour la musaraigne des jardins, et plus petite pour le hérisson, pardon, le lairot et le rat noir. Alors le rat noir, justement, je l'ai mis un peu à part. C'est un cas particulier, puisqu'on le voit, il revient sur les deux tableaux. Le rat noir des petites îles est plus important, enfin la taille est plus importante par rapport aux populations continentales. Et le rat noir de Corse, lui, semble plus petit. Après, au niveau de la taille de l'appareil masticateur, il paraît plus grande pour le lairot, la souris et le rat. Et en termes de couleur du pelage, on a une tendance, une tendance plus mélanique pour la pâchure étrusque, la musaraigne des jardins, le hérisson et le noir, et des petites particularités pour le lairot et la belette. Voilà. En termes de modifications de traits biologiques, démographiques et sociaux, on a la densité. Donc, rat noir et souris domestiques sont bien connus pour s'y trouver à des densités plus élevées que sur le continent. Au niveau du comportement, alors on constate chez le rat noir une diminution de l'agressivité entre congénères. Alors les densités sont plus importantes, mais par contre pas envers d'autres espèces, voire même d'autres rats venus d'ailleurs. C'est une expérience très intéressante de Grandjean et Chélan qui l'ont mis en évidence en 1989. Et de là, en fait, le mulot, il y a aussi une expérience en 88 qu'ils ont menée sur la coexistence de ces trois espèces, donc rat, souris, mulot. Et de là, le mulot, surtout, et la souris dans une moindre mesure, ferait preuve d'une adaptation comportementale par rapport à la présence du rat, notamment par évitement et donc par la ségrégation spatiale. Voilà. Le mulot, encore, se retrouverait plus à une attitude plus importante pour échapper justement à la présence du rat noir. Et ce constat pourrait éventuellement valoir sur le Loir et le Lérault, qui semblent contraints avec eux aussi à des zones d'altitude. Voilà. Ce sont des hypothèses. Après, il y a le rythme d'activité qui peut, pour certaines espèces, peut être plus important et plus étalé en Corse, notamment pour la musaraigne des jardins et le rat noir. Et enfin, au niveau de la reproduction, il a été mis en évidence sur plusieurs espèces une diminution de la fécondité, donc la taille des portées, notamment pour la musaraigne des jardins, la souris et le rat noir. Et des décalages ou étalements de la période de reproduction, donc rat noir et mulot sylvestre en l'occurrence. Voilà, pour conclure très rapidement, on constate finalement que certaines espèces de petits mammifères en Corse ont des particularités. On peut dire que certaines modifications s'accordent avec une stratégie démographique de type K connue pour être prédominante dans les îles. Je pense particulièrement à la musaraigne des jardins. Mais c'est vrai qu'il y a également des constatations contraires à la prédiction classique de l'évolution de la taille en milieu insulaire, notamment pour les rats corses et sardes, et le lairot, même le hérisson aussi, qui sont plus petits, qui s'avèrent plus petits. Donc pour faire le lien avec les raisons invoquées pour expliquer ces modifications, alors là, il y a de grands débats et des grandes divergences à ce sujet selon les auteurs, donc je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais finalement, j'ai trouvé un petit résumé que Fons, disait, c'est que la microévolution pour lui, la microévolution insulaire pour lui résulterait d'un phénomène de résonance entre le milieu et le génome. Voilà, finalement, chaque île possède sa propre histoire, sa propre spécificité, et il n'y a pas vraiment de loi exacte pour décrire ce sens. Donc au vu, certains auteurs parlent également au vu des résultats du syndrome d'insularité en demi-teinte. Voilà. En ce qui concerne les perspectives d'études, étant donné qu'il y a peu, comme je le disais tout à l'heure, peu d'études qui ont récemment été dédiées aux petits mammifères, celles qui nous viennent de suite, vu qu'il y en a peu, on a la place d'y penser. Donc celle qui nous vient de suite, c'est l'étude par l'analyse des pelotes. Donc ça, on a déjà bien commencé grâce à des naturalistes de terrain, on a commencé en ornitho, bien sûr. Et surtout à notre analyseur, Pascal Roland, que je remercie vivement pour son application depuis l'autre extrémité de la France. Je ne sais pas s'il est présent aujourd'hui, mais voilà. Merci mille fois.
Mais alors, on voudrait aller plus loin. Donc, il y aura encore du boulot, Pascal Roland. Mais on voudrait aller plus loin en retournant notamment sur les sites qu'avait prospecté Libois en 82. Ça s'appelle les versions 84. Ceux qui ne connaissent pas. Alors, il y en a 36, voilà. Et si la chouette les occupe toujours, bien sûr. Dans le même goût, il y aurait les 18 sites de Camam et Brodler à faire. Ensuite, bien évidemment, réaliser des inventaires par la capture, notamment dans les secteurs très peu prospectés. On a déjà un peu initié le mouvement, puisque une formation s'est organisée avec on parle de biographie. On a, comme son nom l'indique, une bonne base de données biographiques maintenant. Mais il paraît, enfin, maintenant, il faudrait développer et constituer une base de données géoréférencée. Ça serait chouette. Et pouvoir participer, j'y pense, François, à l'enquête procédure. J'aimerais fort y participer, mais juste, je manquais de temps jusqu'à maintenant. Et puis après, plus spécifiquement, on pense au développement de projets en Seine-et-Loire et le Lérault qui présentent des populations très localisées. Le Loire est connu pour être cantonné au Étré en Corse et en plus il est encore chassé. Voilà, une chasse ancestrale dans certaines micro-régions. J'en profite du coup au passage parce que je suis à la recherche de protocoles. Marteau, je ne sais pas si elle est présente du GMN, elle m'a déjà pensé. Mais si jamais il y en a d'autres en France ou ailleurs hein, qui ont des études sur cette espèce, je me suis quand même. Et puis, pour finir, garder en tête de faire des analyses génétiques. Par exemple, on a des éléments en main qui peuvent permettre de faire d'éventuelles découvertes. Voilà, l'exemple du moléculaire des ARN suraviolin est assez parlant. Voilà, ben, je vous remercie à tous pour votre attention. Une petite photo lors prise justement lors de la formation. Merci Marion. Alors rapidement, je vais prendre une remarque et deux questions. La première remarque, c'est de Stéphane Lagnier qui signale aussi qu'il faudrait comparer les espèces qui sont au Maghreb également. Pour faire une comparaison, voilà, Corse-Maghreb. Et les deux questions, c'est comment expliquer la tendance plus mélanistique de certaines espèces de petits mammifères de Corse, si tu as une réponse à apporter. Je n'ai pas souvenir d'avoir lu une explication particulière à cette tendance. Non, c'est juste un constat, en fait, hein, qui a été fait. Je sais que c'est Michel qui a décrit sur le Loir... Michel Salot qui a décrit cette tendance plus mélanique, surtout sur, voilà, sur le Loir. La pâchure, j'avoue que c'est une info que j'ai trouvée, mais j'ai trouvé assez peu d'infos quand même sur les tendances de particularité sur la pâchure. Bon, simplement peut-être parce qu'elle en a très peu, mais aussi parce qu'elle est peu étudiée. Mais voilà, non, pas d'explication plus que ça sur la tendance mélanique. Alors, pas à creuser du coup. Et la deuxième question, c'est observe-t-on des différences en termes d'hibernation chez le Loir et le Lérault entre la Corse et le continent ? Est-ce qu'il y a des études sur ça ? Non, justement, très peu d'études ont été menées là pour le moment. Loir, si ce n'est les chasseurs qui ont un peu de. On va dire que finalement, c'est peut-être eux qui ont le plus d'infos sur l'écologie du Loir. Mais les Lérault, l'hibernation globalement, donc. En fait, tout est à faire. Justement, on voulait faire cette synthèse biographique pour voir où on en était et qu'est-ce qu'on allait pouvoir lancer avec ça. Ok. Alors, je ne prends pas la question de Pierre qui parle des espèces endémiques qui ont disparu. Je l'invite à te contacter pour avoir plus d'informations. Eh bien, merci Marion, merci Thomas. Nous allons donc... enchaîner avec la table ronde « Pourquoi et comment mesurer et sexer les petits mammifères ?»